الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وافضل الصلاه وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va interpeller un de ses compagnons qui est connu, réputé pour être un expert dans le Coran. Alors, vous savez que les compagnons avaient leur spécificité. Ainsi, Khalid ibn al-Walid, radiallahu anhu, est connu pour son courage, sa témérité et son engagement dans l'action militaire. Abu Dharr al-Ghifari était connu pour son ascétisme et son renoncement au bien naître de ce bas monde. Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, était connu pour sa soif d'apprendre et de transmettre le savoir. Et nous avons un compagnon qui s'appelle Ubay ibn Ka'b, radiallahu anhu, qui était connu pour sa soif d'apprendre le Coran et de le transmettre. Il fait partie de ses compagnons qui connaissaient le Coran par cœur et qui ont été les transmetteur du Coran. Ainsi, aujourd'hui, vous avez des chouyours, des maîtres dans le Coran, qui ont la chaîne, celle-ci-là, qui remonte jusqu'au Ubay ibn Ka'b, qui a appris le Coran de la bouche du prophète, alayhi salatu wassalam, qui lui-même l'a appris de la bouche de Jibril, alayhi salam. Et d'ailleurs, il y a un hadith qui dit « Apprenez le Coran de la bouche de quatre personnes ». Et parmi ces quatre personnes, Ubay ibn Ka'b. Mais une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va l'interpeller, lui dire « Ya Ubay, Dieu m'a demandé de te dire que tu devais me réciter la sourate al-Bayyina. » Sourate al-Bayyina. Elle est connue dans le Coran. « Lam yakun illadina kafaru. » Quand Ubay a entendu ça, il a fondu en larmes, il s'est agenouillé, il lui a dit « Dieu t'a parlé de moi ?» Et pour lui, c'est le temps. Vous vous rendez compte ? Allez, Allah exalté soit-il, dit à son prophète, alayhi salatu wassalam, « Va voir Ubay, dis-lui de te réciter. » Allez, écoute la récitation de cette sourate de la bouche de Ubay. C'est-à-dire qu'Ubay, il avait quoi ? Il avait de la valeur et de l'importance aux yeux de Dieu, n'est-ce pas ? Pour qu'il soit cité par Dieu à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Ubay va réciter la sourate al-Bayyina et le prophète alayhi wa sallam va l'entendre de sa bouche. Comme une autre fois, un autre compagnon, Abu Musa al-Ash'ari, Abu Bakr ibn Qais, il récitait le Coran dans la prière la nuit, le prophète l'a entendu et il s'est arrêté et il a écouté. Le prophète a trouvé un plaisir à écouter Abdullah ibn Qais, Abu Musa al-Ash'ari. Et une fois la récitation terminée, il lui dira « Ya Abba Moussa, tu as une voix extraordinaire. Tu récites le Coran comme Daoud alayhi salam le récitait. » Vous savez tous que Daoud, quand il récitait le Coran, la nature réagissait. Les arbres, les montagnes, les oiseaux écoutaient la récitation de Daoud. « Utita mizmaran » le prophète alayhi salam lui dit. Tu as une récitation du Coran extraordinaire qui est proche de celle de Daoud. Daoud qui était au top. Et le prophète aimait écouter et entendre le Coran de la bouche de qui ? D'autres compagnons. Donc, Abu al-Munzir, Ubay ibn Ka'b, est interpellé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam en ces termes. Ya Ubay, quel est le meilleur verset du Coran ? Et Ubay de dire « Allah wa Rasuluhu a'lam » Allez, je ne sais pas. Toi, tu n'es plus apte à savoir. Et Dieu sait, de manière sûre et certaine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui pose à nouveau la question. « Ya Ubay, quel est le meilleur verset du Coran ?» Quel est le verset du Coran qui a le plus de poids, de valeur et d'importance ? Et à nouveau, Ubay lui dit « Ô messager de Dieu, tu sais mieux que moi, donne-moi la réponse. » Et la troisième fois,
le prophète a essayé tous, hein, il dit répond. Il lui dira, Ya Rasulullah, le meilleur verset du Coran, c'est Ayatul Kursi. Le verset 255 de la sourate Al-Baqarah. Agile. Ubay, parce qu'il était savant, il était expert en Coran, il a donné la réponse qui est exacte. Vous entendez? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui mettre une médaille. Il va lui dire Yahniyakal ilm ya abal munzir. Allez, bravo, ya abal munzir. Tu es vraiment quelqu'un qui a de la science et du savoir. Le prophète le félicite et l'encourage à travers cette belle parole. Vous voyez comment le prophète était un pédagogue, mu'allim. Il savait quoi? Il savait pousser ses compagnons à la réflexion, n'est-ce pas? Il pouvait lui-même apporter la réponse. Il lui dit, Ya Banu Zir, le meilleur verset c'est Ayatul Kursi. Non, le prophète alayhi salam veut pousser au bail et à travers lui tous les musulmans à quoi? À cogiter, à penser, à réfléchir, parce que le Coran a été révélé pour être pensé. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Pourquoi ne vont-ils pas cogiter, penser, réfléchir autour du Coran? Le Coran n'a pas été révélé uniquement pour être lu. Il a été révélé pour être lu et récité et penser et réfléchir. C'est fondamental et important. Deuxièmement, lorsque Ubay a donné la bonne réponse, le prophète alayhi salam va le féliciter et l'encourager quelque part. Pour lui dire, Ya Ubay, tu es sur la bonne voie, continue. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait mettre des médailles à ses compagnons. Chaque compagnon, il lui a dit, toi tu es l'épée de Dieu, Ya Khalid. N'est-ce pas? Toi, Ya Mu'ad, tu es celui qui, dans ma communauté, maîtrise le plus la science du halal et du haram. Toi, Ya Ali, tu es celui qui maîtrise telle science. Toi, Abu Bakr, et ainsi de suite. Chaque compagnon, le prophète alayhi salam va le mettre en valeur par rapport à ce qu'il maîtrisait. Et c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut encourager les gens pour qu'ils excellent. S'ils sont bons, il faut qu'ils deviennent excellents. Donc, al-tahfiz, tu l'incites. Donc, Abu al-Munzir va donner la belle réponse, la bonne réponse. Le meilleur verset du Coran, c'est lequel? C'est Ayatul Kursi. Parce que ce verset a un impact extraordinaire sur quoi? Sur notre vie, sur notre quotidien. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dira dans un hadith que celui qui récite Ayatul Kursi le soir, avant de dormir, les diables ne l'approchent pas durant toute la nuit. C'est-à-dire, Ayatul Kursi est un bouclier, n'est-ce pas, un obstacle qui empêche les chayatines d'avoir un impact et une influence sur nous. Durant quoi? Durant notre sommeil. Parce que les chayatines essaient de nous égarer le jour comme la nuit. Quand on est éveillé, quand on est endormi. Quand on est endormi, à travers quoi? À travers les rêves, les cauchemars, les mauvais rêves viennent de Shaitan. À travers quoi? En essayant de nous maintenir dans le sommeil le plus longtemps possible pour rater la prière du matin. Un compagnon qui dira au messager de Dieu, je ne me suis pas réveillé ce matin pour faire la prière. Le prophète Aïssalou dira, le diable a uriné dans tes oreilles. Et vous connaissez tous le hadith, le diable qui vient et qui nous ligote, hein, trois nœuds. Et quand tu te réveilles, il y a un nœud qui part, tu fais les ablutions sur le deuxième, et quand tu as fait ta prière, tu es libéré de la pression et de l'influence de Shaitan, puisque le reste de ta journée, tu es en forme, physiquement, psychologiquement, tu es bien dans ta peau parce que tu as réussi à te libérer de Shaitan. L'inverse, lorsqu'il ne s'est pas réveillé, qu'il n'a pas fait sa prière à l'heure, il est comment? Khabithun nafsi kaslan. Vous entendez? Il n'est pas bien dans sa peau et il devient quelqu'un de paresseux. Il n'a pas la pêche, c'est normal. Il porte sur ses épaules le poids de Shaitan qui a réussi à l'endormir. Donc, pour nous protéger de Shaitan,
il y a un verset extraordinaire qui s'appelle Ayatul Kursi. D'ailleurs, l'imam Muslim, hadith de Ubay, il rapporte aussi dans le Sahih, de l'imam Muslim, rapporte un autre hadith que vous avez sans doute déjà entendu sur les sadaqat du Ramadan. C'est la zakat al-fitr. Les gens donnent pendant le Ramadan de la nourriture qui va être redistribuée aux nécessiteux. Et Abu Hurayrata, radiallahu anhu, avait cette responsabilité de garder l'entrepôt dans lequel était stockée la nourriture qui était destinée aux pauvres pendant le Ramadan. Et un jour, il attrape en flagrant délit un vieil homme qui était en train de voler cette nourriture. Et bien entendu, il va s'excuser en disant « Je suis quelqu'un qui est dans le besoin, j'ai une famille, une femme et des enfants. » Bref, il pleure, hein, il se plaint. Et comme nous musulmans, on est sensibles, on a un cœur, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on pardonne, on oublie. Et bien entendu, Abu Huraira lui dit « Ne recommence plus, c'est bon pour cette fois. » Et il va faire un rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant « Ya Rasulallah, voilà ce qui s'est passé, voilà ce que j'ai fait. » Et le prophète lui dit « Surveille bien ton entrepôt, car cet homme reviendra, car il t'a menti. » Effectivement, à nouveau, il attrapera la main dans le sac. Il revient à la charge pour prendre de la nourriture. Et là, Abu Huraira dit « J'étais sûr et certain qu'il allait revenir, parce que le prophète me l'a dit. » Vous entendez? Les sahaba avaient l'yaqin, la conviction que tout ce que le prophète disait, c'était véridique et devait se réaliser tôt ou tard. C'est juste une question de temps. Et le lendemain, l'homme est revenu, à nouveau avec la même intention. Abu Huraira l'attrape la main dans le sac. Les mêmes arguments. Ça s'appelle la récidive, c'est ça? Il recommence une deuxième fois. Les mêmes arguments. J'ai une femme à nourrir, des enfants, je souffre, etc. Abu Huraira est un être humain très sensible. Il tombe dans le piège et il le libère. Et nous, on est comme ça, en tant que musulmans. On se fait avoir facilement. Il y a même une parole qui dit « Man khada'ala, il khada'ala. » Tu veux m'arnaquer? Je te vois arriver. Mais bon, allez, je te laisse. D'un air de dire, c'est pas trop grave. Ouais. On se fait tous arnaquer. Surtout vous ici en Ile-de-France, il faut être souvent arnaqué, surtout les dimanches. Les vendredis. C'est ça notre jour saint. Ouais. À la sortie des mosquées. Ouais. Les gens qui viennent et qui font la manche. Ramadan. Le ramadan arrive. Vous allez voir les arnaques. Le mec qui te sort un papier, ma mère, elle est tombée du 4e étage. Elle est à l'hôpital, urgent, l'autre il te dit vite, je dois aller dans le sud de la France. Et moi, à chaque fois un baratin, une fois dans la mosquée, il y en a un, il s'est mis debout, puis juste après Aïcha, il nous dit, écoutez, je suis étudiant à l'université de Lille en médecine, je suis en 5e année, je me suis inscrit, mais mon père devait m'envoyer de l'argent, il est tombé malade, un baratin, et à la fin, il me reste autant d'euros pour m'inscrire, s'il vous plaît, aidez-moi, sinon mon avenir est foutu. Hein? Alors, ça marche, parce que les gens, ils ne savent pas comment ça se passe en médecine, 5e année, les stages, ils bossent, ils travaillent. Moi, je m'en vais vers lui, il se met à la sortie pour ramasser. Je lui dis, Eric, t'es où à l'université? Il vient en médecine. Je lui dis, où ça? Et le mec, il commence à quoi? À bégayer. Pourquoi? Parce que je connais l'université de Lille, l'université de médecine, et je lui dis, t'as pas honte de mentir dans la maison de Dieu? Ne mens pas, dis le haq et la vérité, ou m'attrache. Non. On se fait arnaquer les vendredis, on se fait arnaquer surtout pendant le ramadan, ce sont des professionnels, hein, vous entendez, hein, ils tournent dans toutes les mosquées de France, ils se partagent même les secteurs. Regardez l'arnaque des arnaques. Si vous êtes responsable d'association ou de mosquée, c'est le mec qui te téléphone et tu dis, voilà, je fais partie de la Ligue islamique mondiale, nous avons bien enregistré votre dossier de demande de subvention pour la création d'une mosquée dans votre ville. Et tout doucement, il te dit, n'est-ce pas? Puis toi, tu dis oui.
Puis t'es content. Ouais. Et à la fin, vous savez ce qu'il vous dit? Il vous dit, je suis mandaté pour venir voir. Ok. Et là, je suis en Italie. Et j'ai besoin pour venir jusque chez vous d'un billet d'avion, l'hôtel, j'ai perdu ma valise, on me l'a volée à la gare. Envoyez-moi 1000 euros et demain, je serai chez vous. Votre dossier a été retenu. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu es content? Ouais, c'est bon. Les 1 million d'euros pour acheter le centre, on les a. Tu lui fais un virement via Western Union et les 1000 euros, rahoufia. C'est une bande organisée en Arabie qui arnaque les centres islamiques. Mais l'arnaque des arnaques, c'est quoi ça? L'arnaque, les arnaques, c'est le hajj maintenant, le pèlerinage. Ouais. Le mec, il vient et te dit, super, j'ai réussi à avoir des visas, le pèlerinage à 1500 euros. Parce que je connais un commandant de l'armée saoudienne, un truc à dormir debout, et toi tu fais quoi ton ami? Tu donnes les 1500, un pèlerinage à 1500, tu plonges ou tu plonges pas? Bon là, ils sont des dizaines chez nous dans le Nord qui ont plongé, et se sont tous fait arnaquer. Ah, il y a même des agences, écoutez bien, qui ont fait faillite à cause de ça. Ils ont fait faillite. À Bruxelles, il y a une agence, elle a fait faillite. Parce que le mec, il les a bien arnaqués. Donc, il faut vous réveiller, d'accord? Des chayatines, il y en a à Bogo. Ah, ou à Abu Huraira, il s'est fait arnaquer? Deux fois? Non, trois fois, il s'est fait arnaquer. Par qui? Par un être humain. C'était un être humain? C'était Shaytan qui a pris la forme d'un être humain. Vous entendez, hein? Le mec, tu lui serres la main, tu serres la main du diable. C'est pas la main d'un humain. Allez, admettons, c'est un vrai humain en chair et en os. Voilà qui il a la pensée du diable et les techniques du diable pour nous arnaquer. Donc ne soyez pas naïfs. Ouvrez vos yeux. Votre générosité doit servir aux gens qui sont dans le besoin réellement. Parce qu'il y en a qui disent, c'est rien, Allah, je l'ai donné, l'île, c'est ça? Peu importe ce qui arrivera. C'est-à-dire, si c'est un voleur, tant pis. Moi, Allah, il accepte. Et c'est vrai. Si tu as donné et le mec, c'est un voleur, toi, ton intention est bonne, ton geste est bon, Allah, il accepte. Mais c'est quand même malheureux que cette sadaqa, au lieu qu'elle finisse dans l'estomac d'un croyant qui en a besoin, elle finit dans la poche d'un voyou. Il ne faut pas accepter ça, parce que c'est au dépens de qui? Au dépens de celui qui est dans le besoin. Donc, faisons le bien de manière intelligente. Faisons bien le bien. Ne faisons pas un bien qui va mener à quoi? À quelque chose de nul, de néant. Abu Huraira, radiallahu anhu, s'est fait arnaquer combien de fois? Deux fois et une troisième fois. Quand il fait son rapport à nouveau au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète lui a dit, surveille bien ton local car il va revenir. Et effectivement, il est revenu pour une troisième fois afin de prendre les biens des musulmans. Et là, Abu Huraira va prendre la main dans le sac et lui dire, écoute, t'exagères, t'en fais trop là. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas de vergogne, hein, ils n'ont pas de honte. Le mec, chaque année, revient à la mosquée et quand il revient, il change la disquette. Et l'année dernière, il nous a dit que c'était sa mère qui était mourante. Cette année, il repasse et il t'invente une autre histoire. On dirait que les malheurs ne touchent que cette personne. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de vergogne, la haya, ils n'ont pas de honte. Pourquoi? Pour mentir, pour... Une fois, il y en a un dans la mosquée, il est entré et il a dit, je viens du Maroc, je suis imam, je dois faire taraweh dans les mosquées, mais il n'y a personne qui veut de moi, donc j'ai besoin d'argent. Je lui ai dit, écoute, j'ai du mal à avaler ton baratin. Quoi qu'il en soit, non, on ne laisse pas les gens récolter dans la mosquée. Nous, l'argent, on le récolte, on le donne au Secours islamique, on le donne au CBSP, des organismes sûrs et reconnus qui ont pignon sur rue transparent, comme ça on sait.
Wallah, le mec, ouvrez bien vos oreilles, il s'est transformé, c'est plus un imam, c'est devenu un voyou qui s'est mis à m'insulter en me disant ce que je ne dois pas dire. Pour vous montrer à quel point, mais Hashmouj, comme Shaitan, vous avez vu, trois fois il est revenu. Et trois fois le même baratin. Au moins, Hado, ils sont un peu plus malins, ils changent de baratin. Hada, trois fois le même mensonge, et il a encore espoir d'arnaquer. Et là, Abu Huraira lui dit, miette, tu m'as eu deux fois, tu ne m'auras pas la troisième. Ils connaissent, subhanallah, notre sensibilité. Ouais. Pour nous la faire à l'envers, là, ils mettent un peu de versets du Coran, un peu de hadith. Tu sais, ils jouent sur le sentimental pour nous soutirer notre argent. Vous savez ce qu'il lui dit ? Il lui dit, écoute, on fait un deal. Tu me lâches, tu me libères, et je vais t'enseigner un verset du Coran. Je vais t'indiquer. Je vais te montrer un verset du Coran. Si tu le récites, la nuit, tu seras protégé des diables jusqu'au matin. Et si tu le récites le matin, tu seras protégé des diables jusqu'au soir. Ça, c'est un truc qu'il ne faut pas dire aux musulmans. Ouais. Alors, on veut être protégé de Shaitan. Le musulman, si tu veux l'arnaquer, utilise la religion, tu l'arnaques. C'est pour cela qu'il faut être vigilant. Et il y a un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est dans le Sahih de l'imam muslim, qui dit que le prophète Sulaiman a enchaîné des diables. Vers la fin des temps, ils vont se déchaîner. Ils vont se répandre dans la communauté musulmane. Et ils vont prendre la parole sous forme de musulmans pratiquants, entre guillemets, pseudo-savants. Vous entendez ? Allez, la dégaine, le look, c'est quoi ? C'est un cheikh, un imam. Et ils vont prendre la parole pour égarer les gens. Vous vous rendez compte ? C'est fort jusqu'où ils vont. Alors, des vrais chayantines, des humains qui se comportent comme des chayantines, des suppôts du diable. L'habit ne fait pas l'imam. Juste histoire de convertir le problème. L'habit ne fait pas l'imam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith rapporté, il est dans le Sahih, Jami al-Sahir, de Albani, Aktharu qurra ummati munafiqun. Vous aurez beaucoup d'imams hypocrites. Vous entendez ? Le mec, il récite le Coran, trop puissant, trop fort. Mais en fait, c'est du cinéma. Ouais. C'est un tremplin pour accéder à quoi ? À un poste ou à des biens. D'accord ? Donc, il lui dit, libère-moi, lâche-moi, et je te donne la formule secrète pour ne plus être approché par les chayatines de jour comme de nuit si tu la récites. Il lui dit, vas-y, je suis d'accord. C'est un bon deal. Il lui dit, Ayatul Kursi, verset du trône. Et il l'a laissé, il est parti. Abu Huraira va faire son rapport au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète lui dit, sais-tu quel était cet individu ? C'est un voleur ? Non, pas du tout. C'était un diable. Vous entendez ? Un djinn, un shaitan. Qui est venu quoi ? Qui est venu faire des dégâts dans la communauté. Sadaqaka wa huwa kazoub. Ce qu'il t'a dit, c'est vrai. Le verset du trône est une assurance et une protection. Mais ça reste que c'est un menteur. N'est-ce pas ? En fait, il a utilisé une vérité. Pourquoi ? Pour atteindre un objectif. Et chez le diable, le but justifie les moyens. D'accord ? Il peut utiliser un moyen noble pour atteindre un but malsain. Et chez nous, le but ne justifie pas les moyens. Le but doit être noble et les moyens doivent être nobles eux aussi. Mais Shaitan est sans foi ni loi. Tout ce qui peut affaiblir l'islam et les musulmans, il est prêt à le faire. Et vous savez que parmi les pièges de Shaitan, c'est qu'il est capable de nous pousser à faire du bien pour ensuite tomber dans le péché, dans le mal. Vous savez comment ? De deux manières. Soit il va te pousser
à être plus royaliste que le roi. N'est-ce pas ? C'est-à-dire à pratiquer plus qu'il ne faut. Si bien que cette pratique exagérée va avoir un impact négatif sur des obligations et des devoirs. Par exemple, il va te pousser à prier toute la nuit. Tu ne dors pas. Tu récites le Coran toute la nuit. Et le lendemain, tu ne te réveilles pas à la prière de Fajr. Allez, tu as fait des nawafil, c'est magnifique. Qiyam layl. Mais tu as raté le fard. C'est une arnaque de Shaitan. Tu as prié toute la nuit, tu as fait la prière de Sohr, et tu vas au travail. Et tu fais du covoiturage. Tu as tes collègues avec toi. C'est ta voiture, tu ne veux pas lâcher le volant. Tu t'endors. Ah oui, tu n'as pas dormi, c'est normal. Tu fais un accident, tu les envoies tous à l'hôpital. Tu as vu ? Il va te pousser à jeûner tous les jours. Tu délaisses ta femme, tu délaisses tes enfants. Tu vois ? Il te pousse à faire du bien de manière exagérée pour que ça ait une incidence sur des choses fondamentales et obligatoires dans ta vie. Deuxième arnaque de Shaitan, c'est qu'il va te pousser à faire le bien, surtout un bien que les autres ne font pas, si bien que ça va développer chez toi l'orgueil. Ouais. Tu vas voir que les autres ne pratiquent pas tel sunna, et toi tu la pratiques, et tu vas dénigrer les autres, hein, ils sont nuls, hein, ils ne font pas, etc. Et toi tu es heureux, tu es content, et tu crois que tu es the best, le meilleur. Et tu fais un péché plus grave que le leur, si c'est un péché qu'ils font réellement, c'est la vanité, l'orgueil, tout ça, ce sont des pièges du diable. Et ils sont nombreux, les pièges du diable. Il faut les connaître. C'est une science, dit l'imam al-Ghazali, obligatoire, que le musulman doit acquérir. Ma'arifat, makaïd al-shaytan. La connaissance des ruses, des pièges du diable, c'est obligatoire. Parce que Dieu dit, dans le Coran dit, fattakhidouhu adouwan. Le diable est votre ennemi, considérez-le comme votre ennemi, faites-en un ennemi. Et un ennemi, pour le battre, qu'est-ce qu'il faut connaître ? Sa stratégie. Il faut l'espionner, c'est ça ? Il faut que tu sois au courant des armes qu'il utilise contre toi. C'est pour ça, la connaissance des pièges du diable est une obligation. Vous savez pourquoi ? Parce que si tu fais le bien et tu ne sais pas comment le diable peut te piéger, si bien que ta bonne action se transforme en mauvaise action, tu vas avoir des surprises quand tu vas arriver devant Dieu. Tu vas dire, regarde, j'ai fait. Oui, mais tu as construit et tu as détruit en même temps. Donc tu perds ton temps, ouais, tu n'avances pas, tu fais du surplace, voire même tu recules. Regardez ce que dit l'imam al-Ghazali. Il a un très beau livre qui s'appelle Kitab al-Mughtarrin, le livre des trompés. Les gens trompeurs trompés. Ils se font avoir, ils se font arnaquer en pensant arnaquer. À un moment donné, l'imam al-Ghazali donne un bon exemple. Il dit, Shaitan, il ne va pas te lâcher. Il va t'empêcher d'obéir à Dieu, il va t'empêcher de faire le bien. Et si tu arrives à le faire, il va continuer à te suivre pour que tu détruises ce que tu as construit. Il donne un exemple. Il dit, regardez, il y a des gens, ils vont faire des actions non obligatoires, nawafil, personne n'est au courant. Par exemple, ils jeûnent, ils prient la nuit, je ne sais pas, ils connaissent le Coran par cœur ou il est en train de l'apprendre. Sont des actes apparemment qui ne sont pas publics, qui sont privés. Et il se retrouve en public devant tout le monde. Et Mskin, à un moment donné, boum, il le dévoile. Ouais. En fait, Shaitan, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait tout pour te pousser à te montrer, Ria.
l'ostentation, afin que tu détruises tes bonnes actions ou qu'elles perdent de la valeur. Et il dit, tu vas être dans une grotte, dans le noir, donc loin du regard des gens, personne n'est au courant, tu vas prier et Shaitan va te suivre 40 ans plus tard et il va tout faire pour que tu évoques cette action intime, singulière que tu as faite. Seul Dieu était au courant, Shaitan va tout faire pour que le monde entier soit au courant, pour que ça développe en toi une certaine fierté et arrogance. Et pour ça, il dit que les compagnons du prophète, qui priaient la nuit, le matin, ils faisaient tout pour montrer qu'ils étaient en forme, qu'ils avaient dormi toute la nuit. Ils cachaient leur dévotion. Je ne sais plus comment il s'appelait tel tabi'i. Il lisait le Coran, et dès qu'il y a quelqu'un qui entre, hop, il recouvre le Coran avec un drap. Voilà, il cache les bonnes actions qu'ils font. C'est un principe. Il donne de sa main droite, sa main gauche n'est pas au courant. Je crois que c'est Hassan ibn Sinan. Il a dit, je connais quelqu'un qui a jeûné pendant 20 ans et sa femme n'est pas au courant. On lui dit, c'est pas possible. Il vit avec sa femme d'ici. Il sortait le matin avec son repas du midi pour le travail et rentrait le soir. Et son repas du midi, il le donnait à un pauvre et lui jeûnait. Et sa femme, elle ne sait pas. Il mange le matin, avant le fajr, il va au travail, elle lui fait son sandwich et il rentre le soir. Et il mange au Maghreb, ni vu ni connu. C'est lui, hein. Bon, il n'a pas dit que c'était lui. C'est évident que c'est lui. D'accord. Donc attention à Shaitan, il va utiliser le bien pour atteindre le mal. Il va tout faire pour t'empêcher de faire du bien, et si tu le fais, tout pour le détruire. Sadaqaka wa huwa kadoub. Il a raison, mais ça reste que ce qu'il t'a dit, c'était pour son profit, pas pour le tien. Ce hadith signifie aussi que le musulman ne doit pas avoir de gêne à écouter et à prendre des autres ce qu'ils disent et ce qu'ils font de bien, même si ce sont des ennemis. Shaitan, c'est notre ennemi. Tellement conçu que nos actes, que ceci, cela, que après, ça va être un peu compliqué parce que j'entends pas mal de gens qui appellent des gens, qui leur disent voilà, moi, je veux faire ça, mais Shaitan, il fait ceci. Après, ils deviennent un peu, ils perdent un peu confiance en eux-mêmes et puis ils commencent à arriver. Voilà, très bien. J'ai compris. Si on fait montrer un truc, bon, je pense que c'est pas grave parce que ça peut peut-être aider les gens à. Comme un dawa, on va dire, mais il faut aller dans le sens un peu pour voir, pour le combattre. Très bien. Effectivement, il ne faut pas tomber dans la paranoïa, il ne faut pas tomber dans le waswas, la psychose, le tourment, parce que c'est aussi un des pièges du diable. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé d'un shaitan qui s'appelle al-walahan, qui te pousse à douter de tout ce que tu fais. Par exemple, quand tu fais tes ablutions, tu doutes. Je l'ai fait 2 fois, 5 fois, si bien que tu recommences sans arrêt. Même chose pour la prière, pour que tu te fatigues, que tu en aies marre et que tu laisses tomber. Donc, il y a le qaïda ou sunniya, fiqhiya, qui dit une règle de droit en islam, al-yaqin la yazulu bishak. Quand tu es sûr et certain, le doute ne doit pas te déstabiliser. On est d'accord. Donc, ce que tu dis, effectivement, il faut le condamner. Il ne faut pas tomber dans une phobie satanique qui va t'handicaper. Ce n'est pas l'objectif. En même temps, il faut faire attention au piège du diable. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit qu'il y a 2 niveaux dans le shirk, l'association. Il y a le grand shirk, tu adores autre que Dieu, c'est clair, net, tu adores une statue, tu adores un être humain. Et il y a le shirk khafi, presque imperceptible. Le prophète l'a comparé à quoi?
la comparer à une fourmi qui se déplace. Est-ce que tu l'entends, la fourmi? Tu ne l'entends pas. Même chose, le prophète alayhi salam dit que un shirk al-khafi qui s'appelle al-riya, hein, le fait de chercher à se montrer. Parce que quand tu te montres, il y a un objectif. Je parle de l'objectif malsain. Après, on parlera de ce qui est toléré. L'objectif malsain, c'est que tu veux la gloriole. Tu veux paraître. Tu veux être reconnu par les gens et montrer du doigt comme étant quelqu'un de pieux. Li yuqala jawad. Li yuqala alim. Li yuqari. Li yuqala shahid. Les trois premiers qui vont brûler en enfer. C'est un martyr, quelqu'un de généreux et un savant. Pourquoi? Parce que tout le bien qu'il faisait était en fait juste un moyen pour atteindre un objectif malsain, la gloriole, la réputation. Il ne cherchait pas à plaire à Dieu, donc à faire ça de manière désintéressée. Ils ont arnaqué les gens sur terre, puisqu'effectivement, ils sont entrés dans le livre des records, Guinness, hein, ils ont eu la réputation, mais ils n'ont pas pu arnaquer Dieu, puisque Dieu est au courant des secrets des poitrines, donc en enfer, puisque la récompense, vous l'avez eu sur terre. Donc ici, vous n'avez pas été encore, vous l'avez jamais cherché, le paradis. Et ce shirk-là, ce petit shirk, qui a pour objectif de nous pousser à nous montrer pour avoir une satisfaction personnelle, ouais, est condamnable en islam, parce que c'est contraire à la sincérité, contraire au principe de faire les choses de manière désintéressée. Tajarrud. Alors, il est tellement vicieux, Shaitan, et ses pièges sont tellement vicieux, que le prophète, alayhi salam, nous a donné un remède. Il nous a dit de dire trois fois le matin, trois fois le soir, Allahumma inna Allahumma inni Allahumma inna na'udu bika min an nushrika bika shay'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Trois fois le matin, trois fois le soir, pilule, des cachets. Ya Allah, préserve-moi, protège-moi. De quoi? De ce péché, le péché du riya, celui qui est clair, net et flagrant, et celui qui est insidieux, les deux. Maintenant, effectivement, il est possible en islam de faire des choses au vu et au su des autres. Lesquelles? D'abord, les choses obligatoires. Ça ne se fait pas en cachette. Ouais. La prière de Dohr, tu n'as pas besoin de te cacher pour la faire, parce que c'est ça qui est normal. Le jeûne du ramadan, ça ne se cache pas. Donc, il y a des actes. Ceux qui sont obligatoires, on ne les fait pas en cachette, on les fait en public, parce que c'est normal, c'est naturel, etc. Et ce n'est pas un plus. Okay? Deuxième type d'acte qu'on peut faire en public et le faire savoir, c'est un acte surérogatoire qui a pour objectif, le fait de le faire savoir, d'inciter les autres à prendre, à nous prendre comme exemple. Ça, c'est possible. Dieu le dit dans le Coran. Dans la sourate Al-Baqarah. Ça veut dire que ça se résume sur une amal amal béni. Tu as tout à fait raison. Après, je te dirai quelle est la manière de doser cela. Dieu dit dans le Coran, aidez-moi dans le Baqarah. Fali'imbah. C'est ça. Ou in tu sadaqati. فَنِعِمَّا هِيَا وَإِنْ تُخْفُوهَا. Donc vous avez vu, ici Dieu nous dit que on peut faire une sadaqa au vu et au su de tout le monde. Pourquoi? Pour justement inciter les autres. Mais le prophète alayhi salam l'a fait, hein, la Ghazwat al-Usra, Tabouk. Il a demandé à Abou Bakr combien il avait ramené, combien il a donné. Il lui a dit, j'ai donné toute ma fortune. Omar, la moitié. La caravane de Uthman, 1000 chameaux, je les ai donnés. Ouais. Celui qui achètera le puits de Roma et qui le donnera, il aura le paradis, Dieu lui pardonnera. Et Uthman l'a fait. Et quand les Khawarij vont lui reprocher
des actes, il dira, le prophète n'a-t-il pas dit que celui qui achètera ce puits, qui appartenait à un juif de Médine, et à un moment donné, il y a eu une sécheresse, les puits étaient asséchés, sauf celui-là, et l'autre avait le monopole de l'eau, donc il en profitait, et les musulmans se sont plaints, et Uthman a dépensé sa fortune, des millions d'euros, et il a acheté le puits, et ensuite il l'a laissé à disposition de qui ? De tous les musulmans pour puiser de l'eau gratuitement. Donc tu vois, le prophète n'a-t-il pas dit, celui qui fera ça, il aura le paradis, Dieu lui pardonnera. Donc il est possible effectivement de mettre en évidence des bonnes actions que nous avons faites quand l'intention et le but est noble. Donc effectivement, ce qui est important, c'est l'intention. Ce qui est important aussi, c'est l'impact, hein, les conséquences. Si ça va avoir une conséquence positive sur les gens, oui. Si ça va avoir une conséquence négative sur moi-même, je ne le fais pas. Donc le musulman, il est intelligent, il pèse le pour et le contre. Et il ne tombe pas dans ce que tu as dit, la dérive, le waswas, les tourments qui le perturbent, qui l'handicapent d'ailleurs. Parce que justement, il y a beaucoup de gens qui cherchent les fameuses prières, parce qu'ils sont rentrés dans ce... Parce qu'il y a certains qui arrivent parce qu'ils ont des trucs, voilà, ça me fait ça. Tout à fait. Ils cherchent à faire la prière parce que... Oui. C'est cela. C'est ça, et, exactement. Il faut mieux d'aller voir un psychiatre, c'est ça, pour qu'il détermine bien la maladie, les troubles. Oui, tout à fait, tout à fait. Tu as raison, tu as raison. Qu'est-ce que je disais aussi? Oui, voilà. Shaitan, c'est notre ennemi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a quand même dit sadaqa. Il a dit vrai. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le diable peut dire des vérités. N'est-ce pas? Donc ce n'est pas parce que l'autre, à tes yeux, est mauvais qu'il ne peut pas dire et faire le bien. Il faut relativiser. Vous entendez? Tous les êtres humains sont prédisposés, c'est leur fitra, à faire le bien et à être bon. Et aussi prédisposés à faire le mal et à être mauvais. Ou nafsi, vous connaissez le verset. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nafs, tout le monde. Ouais. Il n'y a personne qui a le monopole du bien. Nous n'avons pas le monopole du bien. Toutes les créatures d'Allah peuvent faire le bien et peuvent être excellentes. Et l'inverse. Donc, nous musulmans, nous sommes des créatures parmi les autres. On peut faire le bien comme on peut faire le mal. Et les non-musulmans sont des créatures comme nous, qui peuvent faire le bien, qui peuvent faire le mal. D'accord? Donc ne soyez pas des fanatiques extrémistes qui pensaient que le bien n'existe que chez les musulmans. C'est faux. Ah, ou shaitan, il est mauvais, et malgré cela, le prophète a reconnu qu'il a dit une belle parole, une vérité. C'est pour cela que le musulman, il n'a pas de crainte ni de difficulté à écouter l'autre, quelle que soit la personne, musulmane ou pas musulmane, quel que soit ce qu'il fait. Moi, ce qui m'intéresse, tu sais, c'est quoi? C'est la vérité qui peut sortir de sa bouche. Et qu'est-ce que je fais? Je la prends. Je tamise. Je prends le bien de tout le monde. C'est important, hein, de penser comme ça. L'imam Shafi'i radhiyallahu anhu a dit « Ra'i sawab yahtamilul khata ». Je pense avoir raison, mais il se peut que je me trompe. Je pense que tu as tort, mais il se peut que tu aies raison. Donc je fais quoi? Je t'écoute. Parce que il se peut que la vérité sorte de ta bouche. Et si la vérité sort de ta bouche, je fais quoi? Je la prends ou non? Même si tu es chez moi, je la prends. Même si tu es mon ennemi, je la prends. C'est-à-dire, la haine
que tu peux avoir envers ton ennemi ne doit pas t'aveugler, sinon que tu, si bien que tu ne vois plus le bien qu'il dit ou qu'il fait. Ton ennemi est juste, il dit du bien, il fait du bien, tu le prends. Voilà. Et ton frère, il se trompe, il dit n'importe quoi, il fait du mal, tu le condamnes. Voilà, pas de parti pris, nous sommes avec la justice et la vérité, quelle que soit la personne qui l'a dit ou qui la met en pratique. D'accord. Ayatul Kursi est un remède contre les tourments du diable. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné dans sa sunnah les bienfaits et il nous a recommandé quand nous devons la réciter. Ainsi, tu récites Ayatul Kursi le soir, le matin, même après chaque prière. Vous le savez, ça. Après chaque prière, il est recommandé de réciter Ayatul Kursi. Donc, à utiliser sans modération. Ayatul Kursi, vous récitez. Donc ça, c'était quelques hadiths sur les bienfaits, la beauté, la grandeur de Ayatul Al-Kursi. Maintenant, Ayatul Kursi lui-même, le verset lui-même. Vous avez remarqué qu'Ayatul Kursi, c'est un verset, mais à l'intérieur du verset, sont des phrases saccadées. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Point. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Point. C'est-à-dire, ce sont des séquences à l'intérieur d'un verset. Chaque séquence a son autonomie, son indépendance. Et il y a un autre verset qui ressemble à Ayatul Kursi dans la forme. C'est le verset 15 de la sourate Ash-Shura. C'est exactement la même forme. Regardez, Dieu dit فَلِذَلِكَ فَدْعُ. La première séquence. وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ. Deuxième. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ. Quatre. وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ. Cinq. الله ربنا وربكم. Six. لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. Sept. لا حجة بيننا وبينكم. Huit. الله يجمع بيننا. Neuf. وإليه المصير. Dix. Regardez, c'est le seul verset qui ressemble à Ayatul Kursi. Dans quoi? Dans la forme. Quant au contenu, il faudrait l'expliquer. Donc le verset 255 de la sourate Al-Baqarah, Ayatul Kursi, le verset du trône, Dieu dit « Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. » Allah, il n'y a de Dieu si ce n'est que lui. Et tous les savants sont d'accord pour dire que Allah, c'est le nom de Dieu par excellence. D'accord? Et le Coran est rempli d'attributs divins. C'est bien qu'on dit Bismillah au nom d'Allah, c'est qui? Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Al-Malik Al-Quddus. D'accord? Donc c'est le nom propre de Dieu. Il y a le grand Cheikh Ahmad Didat, Rahimahullah. Vous connaissez? Il y a un petit livre très intéressant qui s'appelle Quel est son nom? Quel est son nom? Et quel est le nom de Dieu? Pourquoi? Parce que si vous prenez la Bible, prenez l'Ancien Testament, vous allez voir dans la tradition hébraïque juive, ils ne prononcent pas le nom de Dieu. Ils ne savent pas comment Dieu s'appelle. En fait, ils ont des lettres de l'alphabet, des consonnes, les unes à côté des autres, et d'ailleurs, dans leur tradition, tu n'as pas le droit de prononcer le nom de Dieu. Alors par la suite, tu as tout. Elohim, etc., etc. Donc Ahmad Didat, il étudie, il dit, quel est donc ce nom de Dieu qui est si secret dans la Bible, tu ne peux pas prononcer, etc. Et à travers une étude de la Bible, qu'est-ce qu'il donne comme conclusion? Il dit, la Bible est là pour prouver que le nom de Dieu, c'est Allah.
D'ailleurs, tu sais la formule que disent les chrétiens, Alléluia, c'est ça? Alléluia. Quand vous retournez à la source, en hébreu, en araméen, c'est ce que ça veut dire? La ilaha illa huwa. Lisez son livre et vous allez voir. Il te l'explique de manière scientifique. La ilaha illa huwa. Alléluia. Hal ta'lamu lahu samiya. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Allah? Vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Allah? Personne. Et ce qui est bizarre, c'est qu'Abu Jahl, Abu Lahab, c'est tous les Abu ennemis là, du prophète, alayhissalam, qui ont combattu le prophète pendant des années, qui ont pris les armes pour le combattre. Au lieu de contredire le Coran en disant « Si, 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 il y a quelqu'un qui s'appelle Allah. » Parce que le Coran dit « C'est lui Allah, personne ne s'appelle Allah. Il n'y a qu'Allah qui s'appelle Allah. » D'accord ? Toi, tu t'appelles comment ? Tu t'appelles Younes ? Il y en a d'autres qui s'appellent Younes. Non ? Tu t'appelles comment ? Abdelkader, il y en a des centaines qui s'appellent Abdelkader. Imaginez-vous, si je vous lance un défi, je vous dis, il n'y a personne sur Terre qui s'appelle comme moi. Comment tu t'appelles ? Tahar. Puis il y en a un là-bas, il lève la main et dit, hey, rigolo, tu dis n'importe quoi, je m'appelle Tahar. Franchement, la honte, je suis ridicule. Il m'a cramé. Et c'est facile de le prouver. Bah, Dieu dans le Coran dit aux ennemis de l'islam, du prophète, c'est lui Allah, il n'y a personne qui s'appelle Allah, à part lui. Abu Lahab et tous les autres, au lieu de dire, on va prouver A plus B que le Coran est faux, vous savez comment? On va aller à la mairie, et puis on va changer le nom de... On va prendre mon fils. J'ai un gosse, je lui change. Même pas, c'est ce que je vais faire un gosse. Dans un an, je vais vous prouver que le Coran est faux. Ma femme a la couche d'un garçon, c'est comment je l'appelle? Allah. Et je le ramène au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Non, même pas. Au journal de 20h, annonce spéciale. Écoutez, écoutez, moi, Abu Jahl, je viens d'avoir un enfant. Vous savez comment il s'appelle? Allah. Voilà, il est là. Il fait 4 kg 200, 65 cm, il est rouge. Regardez-le bien. Je l'ai appelé Allah. Voilà son acte de naissance. Il est inscrit comme ça à la mairie. Ce gosse est la preuve que le Coran est faux. Car le Coran dit, il n'y a personne qui s'appelle Allah sauf lui, celui qui a créé les cieux et la terre. Franchement, il aurait dû faire ça, Abu Lahab, non? Abu Jahl, ils auraient dû faire ça. C'est beaucoup plus simple que d'aller donner des coups d'épée, de risquer sa vie, qu'il y ait des morts, de combattre le prophète militairement, physiquement. Est-ce qu'ils l'ont fait? Ça fait 1400 ans. Hein. Des Abu Lahab, il y en a encore. Il n'y en a pas encore un qui t'a fait un gosse et qui l'appelait Allah. Ajib. C'est impressionnant. Allah, la ilaha illa. Quand il y a Abdullah. Mais c'est pas Allah. C'est oui, pas Allah. Oui. Abdullah, c'est. Je ne dis pas. Abdullah, c'est l'expression qui prouve que tu es soumis à Allah. Beaucoup de savants disent que Allah voit al-ismul a'dam. Parce qu'il y a des hadiths qui disent que si tu invoques Dieu en prononçant son attribut, son nom, ton invocation sera exaucée. Et les savants divergent. Disent, quel est ce nom de Dieu si tu l'invoques, ton invocation est exaucée? Alors certains ont dit que c'était al-qayyum, etc. Mais généralement, ils s'accordent. Et c'est ce qui est plus logique, c'est Allah. Parce qu'on a plein de hadiths. Et tous ces hadiths contiennent l'afdul jalala Allah. Alors, vous allez m'excuser hein, parce que les aiguilles de la montre sont sans pitié et un programme, il faut le respecter. Donc, je ne vais pas m'attarder, je ne vais pas détailler hein, le verset comme il faudrait.
parce que ça doit prendre au moins une heure. Donc peut-être une autre fois, on aura l'occasion de revenir sur ce verset et le décortiquer pour qu'on comprenne pourquoi c'est le meilleur verset. C'est pas pour rien. Si le prophète A.S.M. a dit que c'est le meilleur des versets, c'est parce que il est rempli de secrets. Alakin, je vois que le temps presse et on m'a dit de respecter le programme. Donc, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Dieu dit dans un autre verset du Coran, s'il y avait plusieurs divinités dans les cieux, s'il y avait plusieurs dieux dans les cieux, à votre avis, il se passerait quoi? Il se passerait ce que les Grecs ont dit et les Romains. Les Grecs et les Romains croyaient en plusieurs dieux. Ils faisaient quoi leur dieu, à votre avis? Oui, des guerres, c'est ça. Ouais. Jupiter qui se bagarre avec Apollon. Apollon, il met une droite à comment il s'appelle, l'autre du vin là-bas, Bacchus, c'est ça. L'arbre, il pique la femme de l'autre dieu, il fait un gosse avec. Non, mieux, t'as même des hommes qui se bagarrent avec les dieux ou qui couchent avec des déesses, après ça donne des demi-dieux. J'appelle ça les héros. 50-50, tu sais, nos. Un hybride. Humain, un truc, Hercule. Et c'est ça la mythologie grecque. Hein. Ben, Dieu dit dans le Coran, s'il y avait plusieurs dieux, la ala ba'duhum ala ba'd. Il y en a un qui va chercher à dominer les autres. Parce que tu ne peux pas avoir deux présidents. Ouais. Mais et toi, on a deux présidents en France. Sarko Hollande. Sarko, il va dire, je vais privatiser Renault. Et Hollande va dire, je refuse. Il va se passer quoi, votre avis? La guerre, d'Abza. Il y a deux dieux. Il y en a, il dit, je veux qu'il pleuve à Paris aujourd'hui. Là, il se dit, non, moi, je veux qu'il fasse chaud. C'est pour ça, Dieu, dans le Coran, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il n'y a qu'un dieu. Sinon, l'univers va vers le chaos. Le tawhid, la croyance en un dieu unique, c'est ça qui est logique, c'est ça le bon sens. La multiplicité des dieux, c'est un non-sens. Sinon, ça va donner quoi? S'il y en a un qui dit « je veux qu'il pleuve », l'autre il dit non. Il faut bien qu'à la fin, ça se termine avec le soleil ou la pluie. Admettons qu'il pleuve. Ça veut dire qu'il y en a un qui a gagné. Et l'autre a perdu. Ben, s'il a perdu, c'est plus Dieu. Puisqu'il est faible, il a perdu. Dieu est toujours fort. Vous avez compris? C'est pour ça. La ilaha illallah, c'est la clé. Un Dieu unique, tout puissant. Al-Hayyul Qayyum. Regardez les deux attributs. Il n'a pas dit Al-Aziz ou Al-Hakim. Pourquoi Al-Hayyul Qayyum? Il est vivant. Et à part Dieu, tout est mourant. Il n'y a rien qui est éternel. Toute chose a un début et une fin. Tout. Tout ce qui existe, tout ce qui est créé avant d'être créé n'existait pas. C'est ça? Donc ça a un début. Donc si ça a un début, ça a une fin. Obligatoirement. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des lois. Des lois que tu ne peux pas contredire. Ça s'appelle la thermodynamique. Ouais. Tout ce qui est chaud tend vers le froid. Tu prends une chose qui est froide, tu la laisses, une chose qui est chaude, tu la laisses, elle devient froide. Le soleil est chaud, il n'est pas chaud. Il est chaud. Il dégage de la chaleur, mais non. Donc il va lui arriver quoi? Et il va s'éteindre, obligatoirement. Fais l'expérience, rentre chez toi, chauffe du lait, laisse-le. 10 minutes après, il est quoi? Il est froid. Tu sais pourquoi? Parce que il a un début. Il est chaud. Tout ce qui est en ordre tend vers le désordre. Allez, ce lieu, tu le laisses comme ça, tu reviens dans 100 ans, il est dans quel état? En ruine. Tout ce qui est en ordre tend vers le désordre. Tout ce qui est en mouvement, tout ce qui bouge, s'arrêtera un jour ou l'autre. Parce que pourquoi le ballon bouge? Pourquoi le ballon il part d'un point A à un point B? C'est parce qu'il y a une force qui l'a quoi? Qui l'a poussé. Ben, plus tu t'éloignes de l'impact,
plus il ralentit, donc il va s'arrêter. Donc tout ce qui existe n'existait pas. La preuve que ça n'existait pas, c'est que, ben voilà, on appelle ça l'entropie. C'est indiscutable. Ouais. Les choses meurent d'elles-mêmes parce qu'elles dégagent de l'énergie. Donc elles se vident. Am khuliqu min ghayri shay'in am hum al khaliqun. Ont-ils été créés à partir du vide? Le vide ne peut pas donner quelque chose. C'est vide. Ton verre est vide, tu fais ça. Qu'est-ce qui sort du verre? Ah, du vide. Le vide ne peut pas donner naissance à quelque chose. Donc Dieu dit, vous avez deux solutions. Soit vous venez du vide, et ça c'est impossible, c'est inacceptable. Ou bien c'est vous-même qui avez créé les choses. Allez, vous êtes créé vous-même, vous avez créé tout. C'est aussi impossible, puisque tu n'existais pas, et il y a des gens qui existaient. Donc tu n'as pas pu les créer, puisque tu n'existais pas. Oh là 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 là. T'as pas le choix. T'es obligé de dire que s'il y a de la créature, c'est qu'il y a un créateur. Et le créateur ne peut être que vivant. Parce que s'il est mourant, ça veut dire qu'il y a eu un début. Donc ça veut dire qu'il n'existait pas avant. Donc ça veut dire qu'il n'est pas créateur, il est créé, créature. Et voilà. Vous êtes obligé de reconnaître l'existence de Dieu, l'existence du Créateur. Ouais. C'est pour ça, le Coran, qu'est-ce qu'il dit de celui qui refuse? Il l'appelle kafir. C'est ça? Et ça veut dire quoi, kafir, en arabe? Celui qui cache. Celui qui cache. Qui cache quoi? La vérité. Celui qui a un voile. En arabe, le paysan, l'agriculteur, tu peux l'appeler kafir. Liyariza bihum al-kuffar. Pourquoi l'agriculteur, c'est un kafir? Parce qu'il prend la graine et il la cache dans la terre, il l'enfuit dans la terre. C'est ça que le terme kafir signifie un voile. Ouais. Donc, il voile, il cache des vérités qui sont flagrantes et évidentes. El Hayyu, le vivant, l'éternel. Ouais. C'est pour ça, quand un musulman lit la Bible, il est perturbé. Pourquoi il est perturbé? Parce que vous prenez l'Ancien Testament. Dieu est appelé l'éternel dans l'Ancien Testament. L'éternel, ton Seigneur, l'éternel. El Hayyu. Quand tu lis un autre passage, ben Dieu est mort sur la croix. Dieu a ressuscité. Ça, t'es perturbé. Et en vérité, le Coran est clair. Vous savez pourquoi il est clair? Ben parce que c'est Dieu qui parle de lui-même. Donc il ne peut pas y avoir d'erreur. Mais quand c'est l'homme qui parle de Dieu, il dit une chose et son contraire. Puisqu'il n'a pas de contact direct avec Dieu. Donc, il s'imagine Dieu. Et c'est exactement ce que les Grecs ont fait. Ils se sont imaginés les dieux. Et ils les ont imaginés selon leur culture. C'est ça. Et quand tu prends les dieux grecs, ben c'est des hommes en plus grand. Des femmes en plus grand. C'est des alcooliques en plus grand. Et d'ailleurs, si tu prends aussi l'Ancien Testament, tu vois parfois Dieu comment il est décrit. Waouh, ça fait mal, hein. Oh là 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 là. Tu vois l'influence gréco-romaine. Tu vois que Dieu, il oublie, Dieu se trompe, Dieu se bagarre, Dieu ceci, Dieu cela. Parce que l'homme parle de l'inconnu, l'invisible. L'homme essaie de parler de ce qui le dépasse. Dieu est infini, l'homme est fini. Comment voulez-vous que l'infini entre dans le cerveau de quelqu'un qui est fini? C'est impossible. Ça dépasse l'entendement. Donc,
Regardez comment Dieu décrit dans le Coran. C'est beau, c'est nickel, c'est parfait. La raison est en paix, l'esprit aussi. El hayyu wa tawakkal ala al hayy alladhi la yamut. Place confiance en Dieu le vivant. Et le verset ne s'arrête pas là. Ce n'est pas Dieu vivant, point. Le vivant qui ne meurt pas. Eh oui, parce que tout ce qui est vivant meurt. Kullu shay'in halikun. Toute chose va vers la destruction. Illa wajha. Dieu non. Parce que c'est Dieu qui a créé la mort. Vous entendez ? La mort, Dieu l'a créée. Al-Hayyu, Al-Qayyum. C'est ce que ça veut dire, Al-Qayyum. Al-Qayyum, c'est celui qui gère. Qui gère quoi ? Qui gère l'univers. Et oui. Dieu n'a pas créé l'univers, il l'a laissé. Sinon, c'est le chaos, c'est le désordre. Non, non. Dieu prend soin de sa créature. Il est présent. Et il agit. Et rien ne se passe sans la volonté de Dieu. C'est notre aqida, c'est notre croyance. La nourriture vient de Dieu. L'oxygène que je viens de respirer, c'est parce que Dieu me l'a octroyé gratuitement. Il me l'a permis. Ce qu'il y en a, vous savez c'est quoi ? C'est je crois en Dieu et après, stop ! Tu me laisses tranquille Seigneur, tu n'existes plus. Je gère, je suis libre. Il pense ça, parce qu'il s'est planté, il s'est trompé. Non, non, non. Dieu est souverain. Il est le maître. Hein, des bandes. Et sans Dieu, les cieux et la terre ne tiennent pas. C'est pour ça, juste après, le verset dit « La ta'khuduhu » Sinatun wala naum. C'est-à-dire Dieu ne dort pas et il ne somnole pas. Hein, sina, c'est somnoler, piquer du nez. Un homme, c'est dormir. Parce que si Dieu dort, qui c'est qui gère l'univers pendant son absence? Si Dieu somnole, prends un verre, mets-le dans ta main, tiens-le comme ça, résiste. À un moment donné, tu vas t'endormir. C'est ça, tu vas somnoler. Tu fais quoi? Tu lâches le verre et il se casse. Ben, si Dieu devait somnoler, boum, c'est le chaos. S'il s'endort, c'est le chaos. Donc, non, 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 attention. Dieu a créé le sommeil. Donc, le sommeil n'a pas d'impact et d'influence sur Dieu. C'est pour ça. On va être étonné le jour de la résurrection. Dans le hadith rapporté par Muslim. Quand Dieu va nous interpeller, nous dire « Abdi, mon serviteur, j'avais faim et tu ne m'as pas donné à manger. » Et là, tu vas réagir, tu dis « Ya Allah, anta, tu as faim ?» Ce n'est pas possible. Toi, le Seigneur des mondes, toi qui as créé... Ce n'est pas possible. On est choqué, étonné, c'est vrai. Parce que c'est un signe de faiblesse. Et là, Dieu va nous dire, un tel avait faim, tu étais au courant et tu ne lui as pas donné à manger. Si tu lui avais donné à manger, tu m'aurais trouvé à ses côtés, c'est-à-dire aujourd'hui, tu aurais la récompense. Tu as été un égoïste, tu n'as pas eu de pensée pour l'autre. Au suivant, j'avais soif. Tu ne m'as pas donné à voir. Ya Allah, toi, soif, le maître de l'univers, c'est impossible. Un tel avait soif. J'étais malade, tu ne m'as pas rendu visite. Donc c'est tout à fait normal que quelqu'un qui a un bon sens et une logique soit choqué quand il entend quelqu'un dire de Dieu que Dieu dort, que Dieu oublie, que Dieu se trompe, que Dieu ne sait pas. Je me souviendrai toujours, on était, je crois, en quatrième... en cours de français, étude de texte, et puis le prof nous avait donné un passage de la Bible. Vous savez, l'histoire de Adam et Ève, la Genèse. Puis à un moment donné, étude de texte, on l'étudie, c'est une œuvre littéraire. C'était pas un cours de religion.
Et toi, en tant que musulman, tu as toujours un regard et une lecture critique. Et à un moment donné, première fois de ma vie, Adam, quand il a péché, il est parti, il s'est caché derrière un arbre. Et Dieu le chercha dans le paradis, lui dit, où es-tu, Adam? T'es où là? Je te cherche, je te trouve pas. Toi, en tant que musulman, qui a le Coran, un truc comme ça, tu ne laisses pas passer. C'est pas possible. Dieu, il ne sait pas. Dieu, il cherche. Vous avez vu, subhanallah, comment ce verset nous apprend à croire en Dieu d'une manière parfaite, nickel. Sans parasitage. Tu n'es pas court-circuité par les égarements des êtres humains. Lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard. Et tout lui appartient. Il a tout créé, tout ce qui est dans les cieux, tout ce qui est dans la terre, c'est la possession, le royaume de Dieu. Or, puisque ça appartient à Dieu, ne te plante pas, ne te trompe pas. Sache que si tu dois demander, tu demandes à qui? Tu demandes à Dieu. Tu ne demandes pas à quelqu'un à qui ça appartient pas. Hein. Ta voiture, tu veux que tu me la prêtes. Je ne m'en ai pas demandé à ton voisin. Tu veux me prêter, s'il te plaît, la Mercedes qu'il y a devant? Il va dire, mais c'est pas à moi. Je ne veux pas te la prêter. Va voir. Donc, il ne faut pas vous tromper. Il faut demander à celui qui possède.